Eh bien, salut tout le monde, c'est Valou, j'espère que vous allez bien, moi ça va nickel, on se retrouve aujourd'hui pour l'épisode 17 de la plus grosse ferme. Donc aujourd'hui, épisode, comme vous aurez pu le voir dans la miniature, dans le titre, on change de moissonneuse, tout simplement parce qu'en fait, tous les champs qu'on a, j'ai tout mis en soja, pour que ça rapporte un maximum, tout simplement parce que j'avais un très gros prêt, très gros prêt, j'en ai un très gros prêt, et... Là, plus l'achat de la batteuse. Comment vous dire que je me suis dit, comme j'avais déjà un gros prêt, pour avancer, j'ai déjà changé de batteuse. Et puis voilà, comme ça, le soja, ça va bien rapporter nickel. Tout. Et donc, et ben on est parti sans plus tarder. N'hésitez pas à vous abonner, à lâcher un pouce bleu. Et on se retrouve juste après l'intro. Donc les gars, on se retrouve juste ici. Donc comme vous aurez pu le voir, donc la batteuse est prête à partir pour être vendue. Donc on aura fait quelques heures avec quand même, je crois qu'on est à 6,5 à peu près. Donc voilà. Qu'est-ce que j'ai fait en off? J'ai acheté la campagne qui sera derrière le fen là. Parce que... Prochain épisode, on va en siler et tout, donc celui-là, les silos vont être vides. Alors, j'ai déjà acheté la campagne. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Bah, je crois que ça pourrait être nous. Bah, j'ai tous mis en soja, du coup. Si j'ai acheté un nouveau truc aussi, c'est parce que je donne la ration. Un petit camion avec pour apporter le lait, parce que là, ça commence à m'énerver. Chaque fois, il faut aller louer, c'était le bordel et tout. Alors, j'ai pris. Et aussi, on doit amener les œufs de poule, donc ça c'est chiant parce qu'il faut au plateau. Donc j'ai acheté de la petite benne derrière le camion, comme ça on peut tout amener direct. Donc comme ça on est tranquille. Là c'est parti comme ça. Là ce que je me dis, là j'aurais tout acheté, la nouvelle moissonneuse, donc j'aurais tout acheté en matériel, je suis plutôt bien. Il faudra juste que peut-être que je change le semoir, mais encore le 6 mètres il va très bien. J'ai tous mes 6 mètres là, ça va. Mais tout de suite comme ça, là prochain épisode, on en cile et on va placer des nouveaux animaux. Donc on va se consacrer à d'achat de nouveaux animaux au prochain épisode, parce que là, en termes de matériel, je suis plutôt pas mal. En termes de champ, ça va aussi, puisqu'on a tous les animaux et tout. Donc là, en 10 mètres, ça va avancer. Donc on va commencer par vendre quoi? Donc on va vendre 125 000 quand même. Donc on va vendre ça, repeindre 66 000. Ah oui, quand même. 125 000, là on vend ça 16 000. Et là, 4 000. Donc comme ça on va pouvoir aussi rembourser le prêt, parce que je veux montrer tout de suite le prêt. Non, c'est pas ici. Voilà, je ne dirai rien sur le prix du prêt. Voilà. Sans plus, on ne va pas ajouter de mots. Donc comme vous avez vu le prix, hein, ça pique un peu. Qu'est-ce qu'il y a? Il n'y a pas de nouveau truc des fois. Des fois ils rajoutent des trucs, je ne sais pas trop. Hein? What the fuck, c'est stylé de fou malade ça. C'est pour dans le camion et tout, c'est trop bien. Mais incroyable, j'avais pas vu ça, tu vois, on a toujours des nouveaux trucs qui apparaissent. Donc en batteuse, c'est la classe. En fait, je vais rester chez classe parce que j'aime bien les batteuses classe, moi. Parce que là, j'ai pas envie de passer sur la case. J'aime pas trop la case. Puis on a déjà eu de l'autre partie. Avec RC, on a déjà eu la fen aussi. La liste idéale, c'est pas ce que je préfère. Après, ça passe trop gros direct la X9 ou la Lexion 9. Là. Ça passe direct trop gros, donc on va prendre celle-là. La Trion. Donc enfin, on va prendre en Trion 730, tout simplement, parce que je vais pas prendre 740, parce que 750 même, parce que c'est 23 000 euros de plus, donc quand même voilà. Et je vais prendre la Trion 730, parce qu'entre 720 et 730, la Trimi est plus grande. À la 730, il y a 1500 de plus litres, donc on est mieux. Donc il y a aussi plus de fuel, et un peu plus de chaud, donc on est mieux. Donc j'ai resté en 730. Voilà, donc on va prendre 730, trailboard, on va mettre une petite plaque, tiens. Qu'est-ce qu'on pourrait mettre? PT 481 X YO. On va faire celle-là. Nickel. Bon bah les gars, j'ai envie de vous dire, achetez. Donc la nouvelle batteuse c'est achetée, on va acheter la barre de coupe tout de suite. 63,500. Hop, donc attends, j'ai juste envie de voir un truc. Ouais, c'est bien ça. Donc on achète l'armoire cabas de coupe, je pense que c'est un truc comme ça. Je pense ça, hein.
PSY. Ah, ça doit être celle-là, la plaque d'immatriculation, donc c'est nickel. Donc, nickel. Bah, j'ai envie de te dire. Alors, donc là, on est passé maintenant, on est sur batteuse à chenilles, donc ça rigole moins. Donc, on va monter dedans. Bah ouais, le petit intérieur stylé quand même. Voilà, ça va changer quand même. Ah ouais, les rétros, ils sont imposants de fou. On va démarrer ça. Hop, donc là, 10,80 m, ça va quand même pas mal avancer. J'ai envie de te dire. Nickel. Donc, on va mettre ça sur le plateau. Ça se trouve, il est même trop grand le plateau. Ah oui, il est trop grand même. Ça se trouve, l'autre, ça l'aurait fait. Oh, j'ai le seum. Putain, ça fait deux fois ça m'arrive, ces conneries-là. Moi, donc, ça veut dire qu'on avait celui-là, nous. Ah ouais, c'est possible de fou. On va voir si... Lui, ça le fait. Putain, si lui, ça le fait, bah, je revends celui-là, c'est pas grave. Putain, à chaque fois, je me gourre dans les machins, c'est incroyable, ça. En fait, ils mettent pas la longueur, c'est ça qui est chiant. Ah, lui, ça passe de fou. On va revendre notre machin. Nickel. Hop. Bon, on va se replacer correctement. Nickel, ça. Bon, bah là, je trouve qu'on est pas mal. Putain, les noms de chevreuil, wesh. Bon. Et ben, on va aller commencer à moissonner, j'ai envie de te dire. Donc, on est parti. On va faire un petit champ auprès de la ferme, comme ça, pour tester la batteuse. Et après, on va la mettre derrière dans les grands champs là-bas. Ah bon, je suis con, j'ai trop avancé, reculé avec une... Avec un dolly, c'est la merde. Ok, ça va, ça l'a fait. On va commencer là, une... Laquelle? Puis on irait bien dans le fond là-bas. Là-bas, j'ai fini la petite parcelle là auprès, je vais... Au pire, on va commencer ces parcelles-là comme ça. Après, je vais pouvoir foutre. Pouvoir se mélanger et tout. Commencer dans la grande parcelle-là comme ça, après, on va pouvoir se mélanger. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller faire la petite parcelle ensemble. Comme ça, on va bosser ensemble la petite parcelle là-bas. Et après, je vais mettre l'ouvrier dans la grande parcelle-là. C'est ce qu'on va faire. Donc, normalement, ça va rendre de fou parce que tout est à 100%. Hein, donc, à peu près. Donc, voilà. Là, j'en ai fait un coup-là. Ça, ça fait de ça en plus. Moi, je l'ai pas dû jusqu'à là parce que... Ça va rien. Allez hop, c'est parti. Allez hop, c'est parti. 10 mètres de machin, c'est intérêt d'avancer là. Bah nickel. Ça avance nickelos. Qu'est-ce que je voulais que je vous dise de plus? Ça avance, carré. Nickel. La nouvelle batteuse qui est partie. Donc là, le but là sur la ferme, c'est là on va donc là on achète la batteuse. La semaine prochaine, on en cile, on place, je pense, les cochons. Après le but c'est de nourrir nous seuls nos cochons, donc voir ce qu'ils prennent et tout correctement. Et du coup là, mois de mai, ouais c'est ça, on va rembourser le frais là. Maïs cochon. Après ça va être... Ah, ça dépend en fait. Soit je vais commencer genre les patates ou une connerie comme ça pour mettre sur les cochons, soit déjà il faudrait que je rachète un champ si je fais des patates ou une connerie comme ça. Et on va voir ça tout de suite après. Et puis voilà, faire ça mai-juin, comme ça nourrir nos cochons nous-mêmes avant l'été. Comme je vous l'ai dit cet été, je vais arrêter fermine, je vais me consacrer avec les vidéos sur la ferme. Donc c'est con, je peux voir tout prendre. Donc c'est pour ça là je vais avancer un petit peu au maximum pour pouvoir... Comme ça, je pense que je vais arrêter peut-être juste mi-juillet, où je verrai comment je fais, parce que si je fais beaucoup d'épisodes sur le foin,
C'est quand on a un peu de foin dans la ferme. Si on fait beaucoup d'épisodes sur le, si je fais beaucoup d'épisodes sur le foin, du coup, bah, je ferai peut-être moins de fermine et le foin. Ça dépend quand on le fait, mais si on, admettons, on le fait fin juin, mi-juin, bah, peut-être qu'à partir de là, je serais peut-être essayer de faire plus de vidéos sur la ferme parce que dès que je vais pouvoir. Après, je vais peut-être refaire au pire un peu de vidéo fermine au début juillet parce qu'il y aura un peu plus de creux. Comme nous, c'est une ferme céréalière, pour ceux qui ne savent pas encore, bah, j'aurai quelques épisodes sur le foin. Et après, bah, ça va être la moisson. Mais du coup, entre moisson et foin, on n'a pas trop de trucs à faire. À part si vous voulez que je fasse un truc, je sais pas, sur du lavage, une vidéo sur du lavage matériel ou des trucs comme ça. À vous de nous dire aussi. Mais sur le foin, je pense que comme vidéo, ce que je ferai peut-être plutôt des vidéos de 1 quart d'heure, 20 minutes, des plus petites vidéos. Mais je ferai une vidéo pour faucher, une vidéo faner, une vidéo endainer, une vidéo si c'est botteler et ramassage peut-être. Je ferai, comme ça ferait 5 vidéos et moi ça peut me caler au moins 3 semaines déjà de vidéos et puis au pire j'en remettrai sur début juillet au pire. Je verrai comment je fais. Soit je fais une grosse vidéo de tout, je sais pas. Je sais pas trop donc je verrai, je verrai. Bon allez, on met l'ouvrier, c'est parti. Nous, on va apporter. On va prendre la campagne. Je sais pas pourquoi j'ai attelé la Roland, parce qu'il n'y a pas besoin de deux bennes, je pense. La campagne, ça va tellement suffire. Si on en met pas mal dedans. Un truc stylé sur la campagne, le gyrophare de derrière, il reflète de fou. De nuit, ça doit être trop beau. On essaiera de faire au pire l'ensilage, on essaiera de faire un peu d'ensilage de nuit, comme ça. Ça vous fera, on verra tout ça avec les phares et tout, ça va être un peu stylé quand même. Comme celle-là, je vais mettre le logo, je vais la mettre là-bas, le ben. Comme ça, on en a deux bennes, ça a foncé. Hop. Donc l'autre champ là, je vais essayer d'aller direct leur semer en. Puis je dirais essayer de leur semer en. Là-bas, je vais leur mettre en herbe de toute façon. Je vais prendre lesquels? Je vais prendre les cases. Si, il faut que je recherche de la semence, donc je vais chercher de la semence tout de suite. Je vais laver un coup de case avant de le prendre. La charrue, je l'ai quand même pas mal utilisée là pour faire le soja parce qu'il y a beaucoup de champs, elle devait être labourée donc je l'ai pas mal utilisée, je crois. Quand même pas mal, ouais. Donc voilà, hop, juste histoire de qu'il soit moins sale, de toute façon il va se ressalir donc. Donc le semoir il est où? Il est où? Il est où? Hop, il serait bien là. Ouais. Donc ce que je fais c'est que je vais au magasin rechercher de la semence et refaire le plein du semoir et puis on se retrouve juste après. Du coup c'est parti, là je viens de commencer. Donc ouais, je vais déjà faire ça en. Non, on va ressemer ça en herbe vite fait. Là il va falloir que j'aille vider l'ouvrier bientôt là, parce que j'ai eu le truc du 80%. Et comme ça après quand la batteuse je pense que je l'ai mis dans le grand champ là-bas, comme ça elle nous fera moins chier. Et parce que si c'est à côté c'est toujours ça mon herbe, mais pas besoin vraiment d'être de leur faire tout de suite, ça peut attendre. Et donc comme ça là-bas il y a un champ, je vais refaire de l'orge, donc le champ 29, donc puis 28 je vais mettre en maïs. Donc c'est pour ça. Je l'envoyais là-bas et comme ça là juste derrière là comme il n'y a pas besoin de tout botteler, je vais remettre une couche, on va refaire un peu de lisier ensemble et comme ça bah voilà quoi, vous aurez vu un coup le petit lisier. Par ici. On va prendre le 8S, comme ça on va aller l'atteler sur eux.
la campagne. Hop. Comme ça, on va pouvoir foutre les idées ici. Commencer à faire ça, lisier. Hop. C'est bizarre quand tu passes du fen amassé là sur la campagne. C'est un peu plus petit. Bon. La vitesse, il fait quand même 300 chevaux, je crois. Ma peine, je suis plus de 280 comme ça. Ça arrive pas à tirer la transition. Bon, lui, il y en a un aller-retour, ça va être presque bon. On va se foutre là. Merde. Comme ça, on va les atteler sur la thune, on va les remplir la thune. Ça, on va faire un peu de thune ensemble, et puis après, je finirai de toute façon en off, tout ça, je referai tout ça, semer le maïs, tout ça. On se retrouvera après. Hop, la thune est là. Nickel. Hop. À peine moissonné, c'est déjà un coup de lisier. Comme ça avance. Par contre, ça c'est chiant les barrières. En fait, on a trop mis des chambres. Vous allez voir, par exemple, ça va pas jusqu'au bout et tout. Ça c'est chiant ça. Ça c'est casse-couille. On a mis les barrières trop près du champ. De toute façon, le champ là, à l'avenir, ça sera du foin. Donc, on s'en fout un peu. Hop, on va foutre un coup de beau. Nickel. Qui suit l'autre là-bas, ça m'a sinus. Ouais, ça fait de la largeur, moi je le dis. Hop. On va aller voir s'il fait que ça motionne. Forcément il motionne là. C'est celui-là. Ça lui a pas eu le foot semi presque. On va pas le mettre tout de suite à semi parce que je connais, après il va rattraper. On va juste le foutre là. Hop, comme ça on va porter la moissonneuse là-bas. Comme ça on va la mettre à démarrer là-bas et puis comme ça moi je finirai on va apporter le massé là-bas et puis comme ça je finirai en off après. On va finir le lisier et puis on finirait en off.
gars, on se trouve juste ici. Oui, petite faille, comme vous pouvez le voir. J'ai détaché sans faire exprès. Bon, je vais relever la fourche après. Ce connard. Ce que je vais faire. Lui allumer, on va l'éteindre. On va se quitter là-dessus. Prochain épisode, on ensile, on place les cochons. Et après, les cochons, donc ils mangent, je crois que c'est de la betterave. Faudrait qu'on commence à faire de la betterave, quoi. Je crois que c'est de la betterave, les cochons. Ça doit être de la patate. Je pense que c'est plus de la betterave. Donc, ce qu'on peut faire, ce sera ça, quoi. Betterave, on peut se mettre avec un semoir normal ou pas? Est-ce que mon semoir, il sème la betterave? Ah, la betterave, c'est avec celui-là. Ok, donc on se met la betterave, donc c'est nickel. Il faudra juste acheter ça. Bon, faudra acheter ça pour récolter. On va pas acheter la machine directe hein, parce que sinon, comment dire que ça va. La machine, ça coûte trop bien. Alors là, une grime. On a repas. On a repas du style. Attends, on a 375 000. Et il faut pro et il y a ça. Ça va devant ça. En vrai, 500 000. Hein. Bon, on verra. Il faudra faire 500 000. Sinon, 500 000. Ah oui, plus 80 000. Oui. Ok. Ouais, bon, on verra tout ça. Donc merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. N'hésitez pas à lâcher votre pouce bleu et à vous abonner si c'est pas déjà fait. Donc semaine prochaine, ensilage de maïs dans le champ juste là. Et on place les cochons. On commence à leur donner à manger et tout. Donc n'hésitez pas à vous abonner, à lâcher un pouce bleu. C'était Valou. Allez, ciao. Okay.